On est toujours avec notre ami Igor, on est dans... On avance vite, hein, donc, pour essayer de rattraper Antoine. C'est l'apprentissage du Kejit sur une cadence blues de type 1-4-5. On va la jouer en tonalité de Mi. Donc, si je joue d'abord le Mi en début de manche, ça va ressembler à ça. Ça, c'est mon 1. Mon 4, ce sera le La. Et mon 5, c'est juste l'accord de La déplacé d'un ton de deux cases, le Si. Donc je vais jouer ma séquence comme ceci. 1, 4, 5, 4, 1, 4, 5, 4, 1. Alors pour l'agrémenter un tout petit peu, on va jouer deux croches sur la corde la plus grave. Et la troisième croche, elle est jouée dans le bas de l'accord. On fait pareil pour l'autre accord, pour le La. Et pour le Si, pareil. Donc ça donnera ça. On joue ensemble. 1, 2, 3, 4. Sur la phase suivante. Donc là, il faut un peu de mémoire, hein, pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc, dans la première phase, on jouait sur deux formes, E et La. Donc là, la phase suivante, on va jouer sur les deux formes voisines suivantes. Donc E, ça donne D, Ré. Ouais. Et pour le La, la forme suivante, ça donne G. Donc le 1, c'est ça. Le 4, c'est ça. Et le 5, c'est la même forme décalée d'un ton. Donc attention, on va essayer de jouer la même chose. Les notes graves, elles ont changé. Hein. Elles ne sont plus sur la 6e corde, elles sont sur la 5e corde. Ça donne ça. Rythmique comme tout à l'heure. On y va ensemble. 1, 2, 3, 4. On va passer sur la phase suivante. Donc, mon 1, forme du D, forme du Ré. Donc mon nouveau 1, forme du C, Do. Ça c'est mon 1. Mon nouveau 4, tout à l'heure c'était G, ça devient E. Attention, décalé. Et mon 5, c'est le même, shifté d'un ton. Donc les trois accords, c'est E, E shifté. Avec ma basse, mon motif rythmique. On l'essaye ensemble? Oui. 1, 2, 3, 4. Suivante. J'avais pour 1 C, j'ai maintenant pour 1 A, au départ de la 7e case. Voilà mon nouveau 1. Mon nouveau 4, il est où? Il est ici, c'est la forme du D, Ré. Et le 5, c'est le même décalé de 2 cases. Donc j'ai la forme du La. Forme du Ré,
ré décalé. Et je cible toujours mes deux premières croches sur la cinquième corde. Ça va, on l'essaie ensemble. 1, 2, 3, 4. Sur la dernière phase. Donc, mon nouveau 1, mon ancien 1, forme du La. Mon nouveau 1, forme du Sol, G. Avec l'index qui barre en 9e case. Donc, mon 1, mon 4, anciennement forme du Ré, nouvellement forme du Do, C. Puis le même, shifté de deux cases. Donc, j'ai ça. Avec les deux croches sur la basse. Ça va, tu vas être capable de jouer cela. Oui, on essaie ensemble. 1, 2, 3, 4. Ok, ça va, super, c'est bien. Voilà.